Donc Thomas Dubertret de l'Agence locale de l'énergie et du climat. Je vais vous faire une petite introduction rapide pour cadrer un peu la suite de la présentation. L'idée, c'est de vous donner deux, trois infos sur qu'est-ce qu'un CPE, un contrat de performance énergétique, pourquoi il peut être intéressant d'y réfléchir à ce système de CPE en copropriété, comment ça s'organise, et puis vous présenter la suite. Donc, un contrat de performance énergétique, il y a, si vous avez peut-être cherché déjà ou si vous avez déjà regardé, il y a des définitions qui existent parce que c'est quelque chose qui est utilisé ou mis en avant. Ah ben voilà, ça fonctionne. Donc, c'est mis en avant dans pas mal de publications au niveau de l'État ou d'autres choses. Donc, il y a une définition officielle, voilà, je vous la mets ici. Je ne vous l'ai pas écrite parce qu'elle est très longue à lire. Mais d'une formation que j'ai eue à l'ADEME, je retiens une définition plus simple qui est intéressante. Un CPE, c'est un contrat avec travaux garantissant l'amélioration énergétique. Elle est plus intéressante parce qu'elle est plus courte, plus facilement compréhensible. Et il y a quelques mots-clés dedans. L'idée de contrat, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est écrit. Il y a le mot travaux, c'est-à-dire qu'il y a des travaux qui sont réalisés sur un bâtiment. Et il y a amélioration énergétique, donc dans le cadre d'un projet d'économie d'énergie ou d'amélioration énergétique d'un bâtiment existant. Donc voilà, trois idées clés, un contrat, des travaux et une amélioration énergétique. Voilà, c'est la définition que je retiens de l'ADEME, qui est plus simple que un truc compliqué avec des pouvoirs adjudicateurs, une société de service, des situations de référence contractuelle, enfin voilà, des mots un peu compliqués. L'idée là, contrat avec travaux garantissant l'amélioration énergétique. Petit rappel, pourquoi est-ce qu'on cherche l'amélioration énergétique des copropriétés? Pourquoi c'est un sujet du moment? Pourquoi est-ce qu'il y a des aides ou des incitations qui viennent de l'État, qui viennent de la métropole de Lyon, qui viennent de certaines villes de la métropole? Pourquoi tout ça? Il y a plein de raisons, je les rappelle brièvement ici. La question de la précarité énergétique dans un contexte où les énergies ne font qu'augmenter, l'augmentation continuelle des prix fait que certains ménages n'arrivent plus à financer leur chauffage ou leur eau chaude. Donc la recherche de solutions pour réduire les consommations d'énergie et réduire la précarité de certains ménages. La recherche par certains copropriétaires d'amélioration de leur confort dans des bâtiments anciens, des années 50, 60 souvent, qui sont peu ou mal isolés, un confort imparfait, certains copropriétaires cherchent des solutions d'amélioration. Également, une recherche d'amélioration de la qualité, enfin de la valeur de leurs biens à travers l'étiquette énergie qui donne, en tout cas d'après certaines études de notaire, certaines études statistiques, a un impact sur la valeur à la vente ou à la location d'un logement. On a aussi un contexte réglementaire qui est de plus en plus contraignant en matière de performance énergétique. On a vu l'obligation pour les copropriétés de réaliser des audits énergétiques. On a maintenant une réglementation qui dit aussi que lorsqu'on fait des travaux d'entretien, on doit étudier, pas forcément réaliser, mais étudier des travaux d'isolation. Voilà, certains éléments de réglementation qui sont de plus en plus incitatifs et contraignants pour la réalisation de travaux d'économie d'énergie et l'amélioration énergétique des logements. On a, pour aider à tout ça et qui incite aussi des aides mises en place par les pouvoirs publics, notamment EcoRénov de la métropole. Et puis, ça revient qu'à la fin, même si c'est peut-être primordial, la question du changement climatique lié à la consommation d'énergie fossile et aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, toute solution qui vient réduire les consommations d'énergie aidera à lutter contre le changement climatique. Donc, pourquoi un CPE en copropriété? Pour travailler au quotidien avec des copropriétés, c'est une demande qui revient souvent, une demande de certains copropriétaires d'avoir des garanties sur les économies d'énergie qui sont annoncées par les bureaux d'études ou qui sont calculées dans les audits énergétiques. Et une demande pour eux, ils veulent une garantie que ce soit là, notamment aussi parce qu'ils vont investir quand même de l'argent dans des travaux. Ils veulent certaines formes de garantie que ces travaux vont avoir une efficacité. Et donc, c'est un des outils qui peut être utilisé pour sécuriser le vote d'un projet de rénovation énergétique en copropriété.
parce qu'il permet de garantir l'atteinte des résultats qui ont été calculés ou proposés, soit dans l'audit, soit dans les missions de maîtrise d'œuvre. Mais quand même, petite alerte, ce n'est pas le seul élément qui va garantir qu'un projet de rénovation énergétique en copropriété soit voté. C'est un des outils, mais ce n'est pas le seul. Et rappelez qu'un projet de rénovation énergétique, ça part d'un besoin de copropriétaire, un besoin d'amélioration de leur confort, besoin d'amélioration de leur bâtiment, etc. Donc, bien à partir de ce besoin, qui est quand même aussi primordial pour la réussite d'un projet de rénovation énergétique, rappelez qu'aussi un projet comme ça réussira si il prend en compte l'urbanisme, l'architecture initiale du bâtiment, donc qu'on respecte bien toutes les règles initiales de l'architecture et de l'urbanisme, qu'on a bien communiqué et qu'on a bien trouvé les solutions de financement pour garantir à tous les copropriétaires la possibilité de participer aux travaux. Donc c'est un outil, mais ce n'est pas le seul. Et bien rappeler qu'un projet de rénovation énergétique en copropriété, c'est un projet global qui intègre tous ces éléments du besoin, de l'urbanisme, de la communication, du financement, etc. Pour rappeler aussi, éviter des questions futures, le CPE, c'est quand même d'abord pour des copropriétés en chauffage collectif. Peut-être qu'il y a des gens qui ont des solutions pour du chauffage individuel, mais en tout cas pour l'instant, c'est que en chauffage collectif. Comme on l'a vu dans la définition initiale, c'est lorsqu'il y a des travaux. Il faut qu'il y ait quand même un montant un peu important de travaux d'économie d'énergie. On aura peut-être des retours plus précis là-dessus, mais il faut des travaux d'économie d'énergie pour le faire. Et alors, moi, je retiens le seuil de 30 logements. Vous comprendrez pourquoi dans la présentation, mais je retiens le seuil de 30 logements. Donc, peut-être que les professionnels, après, pourront apporter des nuances à tout ça. Mais moi, je retiens le seuil de 30 logements pour commencer à réfléchir à la faisabilité d'un CPE. Donc, ce n'était pas pour tout le monde. C'est pour un certain type de copropriété. Pour info, quand même, il y a un marché important de la rénovation en copropriété qui a été bien boosté par la mise en place du dispositif EcoRénov de la métropole. En ce moment, on a autour de 250 copropriétés qui nous contactent tous les ans pour des informations sur les économies d'énergie. Ça ne veut pas dire que toutes vont vers des travaux, mais c'est un chiffre important et ça n'a jamais été aussi élevé. Donc il y a une envie pour les copropriétaires de faire et d'agir pour réduire leur consommation d'énergie. Si on parle plus spécifiquement d'EcoRénov, depuis le début du dispositif en 2015 jusqu'à la fin de l'année, alors pas 2019 mais 2018, là une petite erreur de présentation, il y a eu 87 copropriétés pour plus de 6 000 logements qui ont voté un projet EcoRénov et il y en a 74, dont plus de 8 000 qui devraient voter en 2019. Et pour vous donner aussi un peu une idée du marché, il y a environ 10 000 copropriétés sur la métropole. Donc, il y a un gros besoin de rénovation. Donc, petite information, enfin, pour bien introduire qu'est-ce que c'est qu'un CPE, concrètement, comment ça se présente en copropriété. Bon, alors, je rappelle un peu ici les différentes étapes d'un projet de rénovation énergétique en copropriété, à dire qui est rythmé par les assemblées générales, qui permettent d'avancer à chaque fois l'étape suivante. De la première réflexion, qui est le moment où les gens s'imposent des questions, donc c'est nos 250 copropriétés qui nous interrogent tous les ans. Généralement, ces copropriétés réalisent un audit énergétique pour faire un bilan des consommations et des pistes d'amélioration, qui permet d'aider au choix d'un premier bouquet de travaux, ce qui sera donc soumis à études et conception par une équipe de maîtrise d'œuvre. Permettra ensuite de faire voter en assemblée générale la réalisation de ces travaux, puis l'exploitation. Dans un schéma classique, si on prend le focus sur la réalisation des travaux, ce qu'on voit le plus souvent en copropriété, c'est que l'AG, après avoir décidé de réalisation d'un bouquet de travaux, désigne l'équipe de maîtrise d'œuvre. Cette équipe de maîtrise d'œuvre réalise des documents de consultation qui permettent de consulter des entreprises, qui sont ensuite votées en assemblée générale. Puis, un exploitant récupère un marché d'exploitation d'un équipement de chauffage et assure la bonne exploitation des équipements de chauffage et le chauffage des locaux. Ça, c'est le schéma classique en copropriété. Le CPE, il vient un peu bouleverser ce schéma parce que dans un des modèles, on a ce qu'on appelle le REM, donc le réalisation, exploitation, maintenance,
On n'a plus qu'un seul prestataire qui fait la partie réalisation et exploitation des travaux. Enfin, réalisation des travaux et exploitation des équipements de chauffage. La maîtrise d'œuvre étant là pour concevoir les travaux et consulter ce prestataire. Vous verrez qu'il y a, dans les exemples qu'on vous présentera tout à l'heure, il y a encore un modèle un peu entre les deux qui s'est construit, mais qui n'est pas dans, dans la littérature classique, mais qui est intéressant. Donc vous verrez aussi ce modèle-là tout à l'heure dans les exemples qu'on vous présente. Et il y a un autre modèle qu'on appelle le CREM, la conception, réalisation, exploitation, maintenance. L'idée là, c'est que même la conception des travaux est réalisée par le prestataire du CPE. Mais dans ce cas-là, comme la copropriété, elle n'est pas toujours, enfin même elle n'est pas en capacité de négocier en direct avec un prestataire de CPE pour le choix des travaux, la réalisation des travaux et l'exploitation, vient une structure qu'on appelle AMO, assistance à maîtrise d'ouvrage, qui vient aider la copropriété à négocier la réalisation de ce type de contrat avec le prestataire. Clairement, vous n'en verrez pas d'exemple ici, ce soir. On en a vu en copropriété, c'est plus compliqué à mettre en œuvre, ça pourra faire l'objet d'exemples, je crois que j'ai vu des gens qui en ont suivi ici dans la salle, donc on pourra peut-être en parler, mais ce n'est pas le modèle le plus facile à mettre en œuvre. Donc on a choisi de vous présenter uniquement ce soir des modèles type REM, réalisation, exploitation, maintenance, qui semblent pour l'instant plus adaptés au marché de la copropriété. Et sachant que, pour être jusqu'au bout, il est possible aussi d'imaginer une AMO qui vienne aider la copropriété à réaliser ce schéma REM, qui vienne aussi accompagner dans toutes les étapes d'un projet de type REM. Le CREM. Donc, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de vous présenter trois intervenants professionnels qui interviennent sur des projets de CPE en copropriété. Donc on a un syndic qui viendra vous présenter des CPE qu'il a suivis dans des copropriétés, une équipe de maîtrise d'œuvre et un groupement d'entreprises qui répond en tant que prestataire de CPE. Je fais quand même un petit aparté ici pour dire qu'il ne faut pas oublier que dans un projet de CPE, il y a aussi nécessité d'avoir l'implication du conseil syndical et des copropriétaires. Ils ne se font pas sans eux. On ne les a pas montés ici sur le, à la présence, mais ils sont, et vous le verrez, je pense, en filigrane de toutes les présentations, il n'y a pas de CPE sans les copropriétaires et encore plus sans le conseil syndical qui s'investit dans l'animation, la gestion d'un projet. Alors, pour éviter que les projets soient représentés à chaque fois, on vous en présente deux. Une copropriété, Le Lumière, à Lyon 8. Alors, il ne sera pas à la table ce soir, mais on a en plus la chance d'avoir le syndic qui a géré le projet, donc il pourra intervenir s'il y a besoin des questions sur ce projet-là en particulier, sur son travail de syndic sur ce projet. Mais, donc c'est une copropriété de 154 logements qui a fait des travaux d'isolation des toitures, des murs, la rénovation du chauffage et la rénovation de la ventilation, qui visait un niveau BBC, 84 kWh/m² an, et qui a terminé ses travaux en fin 2017, courant 2017. Et on voulait vous proposer un autre CPE. Alors, celui-là, c'est un REM un peu particulier, mais on aura plus de détails tout à l'heure sur ce projet. Et un autre projet sur une copropriété à Lyon 6, de 27 logements. Vous voyez déjà que ma limite de 30, elle est déjà dépassée par cet exemple-là. Une copropriété qui a fait le plancher bas, les murs, sur l'arrière, pas sur la façade avant, parce qu'on était en zone protégée. La rénovation du chauffage et de l'eau chaude et la création d'une ventilation. Alors, j'ai pas mis les CPE, CEP après travaux, ni la fin des travaux, mais on reviendra sur ce projet. Donc voilà. On n'a pas parlé de ça tout à l'heure aussi, mais on se disait que c'était mieux de présenter tous les intervenants puissent présenter leur présentation. Comme ça, s'il y a des questions qui viennent, gardez-les. On prend toutes les questions à la fin parce qu'on imagine que s'il y a des questions qui viennent après ma présentation, vous verrez que peut-être que la réponse viendra toute seule après.